الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. Continuons l'explication du livre لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد, un livre de l'imam ibn Qudam al-Maqdisi, avec l'explication de Sheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan حفظه الله تعالى. Donc durant le cours dernier, on avait commencé le chapitre de l'attestation de l'attribut de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on a vu qu'Allah azza wa jal était doté de l'attribut de la parole, et que Allah azza wa jal, que sa parole n'avait pas de début et n'avait pas de fin, et qu'entend sa parole ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou ceux à qui Allah azza wa jal a autorisé d'entendre parmi ses créatures, les créatures parmi les hommes et les anges. Parmi les hommes a entendu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Moussa alayhi salam, sans obstacle ou sans intermédiaire, c'est-à-dire qu'Allah azza wa jalla s'est adressé directement à Moussa alayhi salam. Également a entendu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Jibril alayhi salam. Puis l'auteur dit, وَمَنْ أَذِنَ لَهُ مِنْ مَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ يُكَلِّمُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْآخِرَةِ وَيُكَلِّمُونَهُ ويأذن لهم فيزورونه قال تعالى وكلم الله موسى تكليما. Donc a entendu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala Moussa alayhi salam ainsi que Jibril alayhi salam. Et l'auteur dit ومن أذن له من ملائكته ورسله, et ceux également à qui Allah azza wa jalla a autorisé parmi les anges et les prophètes. Et on avait cité durant le cours dernier un hadith où lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala prononce la révélation, les gens ou les habitants des cieux entendent un bruit similaire à le bruit d'une chaîne qui est traînée sur une pierre ou une montagne, et ils tombent évanouis, autrement dit les anges qui entendent ce bruit immense tombent évanouis, et lorsqu'ils se réveillent, ils disent à Jibril alayhi salam, qu'a dit notre Seigneur? Il dit la vérité, ou il a dit la vérité, et ils diront al-haq, al-haq, la vérité, la vérité. Donc les anges, autres que Jibril, entendent également la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقال الشيخ الفوزان ويسمع كلامه من أذن الله بسماعه من ملائكته ورسله مثل موسى ومثل جبريل. Donc Allah عز وجل autorise à entendre sa parole certains parmi ses anges, parmi ses envoyés comme Moussa et Jibril, et comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam également, à qui Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé lors de l'ascension de l'Isra wa al-Mi'raj. Lors de l'ascension de l'Isra wa al-Mi'raj, Allah subhanahu wa ta'ala s'est exprimé à Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Les savants disent même que le mérite du prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus grand que celui de Moussa, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jal, s'est adressé à lui dans les cieux au-dessus du septième ciel. Et quant à Moussa alayhi wa sallam, il s'est adressé à lui sur terre. Wa annahu subhanahu wa ta'ala yukallimu al-mu'minina fil akhira wa yukallimuna. Et l'imam ibn Qudam al-Maqdisi dit, et Allah subhanahu wa ta'ala s'adressera aux croyants dans l'au-delà et ils lui parleront, c'est-à-dire les croyants lui parleront. Et Cheikh Fawzan dit fil janna yukallimu al-mu'minina wa yukallimunahu min ghayri wasita yasma'una kalamahu wa yarawnahu subhanahu wa hada fil janna. Cheikh Fawzan dit ceci aura lieu au paradis lorsque les croyants, lorsqu'Allah Azza wa Jal parlera aux croyants et que les croyants parleront à Allah subhanahu wa ta'ala sans intermédiaire, ils entendront sa parole et le verront subhanahu wa ta'ala, mais ceci n'aura lieu qu'au paradis. وَيَأْذَنُ لَهُمْ فَيَزُورُونَهُ. Et Allah Azza wa Jal leur donnera l'autorisation et ils iront le visiter. Cheikh Fawzan dit يَزُورُونَهُ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ.
يجتمعون في مكان من الجنة ثم يتجلى لهم الله بذاته ويرونه ويكلمهم ويكلمونه، لأن الله يعطيهم يوم القيامة قوة وقدرة يقدرون بها على رؤية الله جل وعلا وعلى سماع كلامه. أما في هذه الدنيا فلا أحد يستطيع أن يرى الله جل وعلا. C'est-à-dire qu'ils le visiteront, les croyants visiteront Allah Azza wa Jal pendant un moment bien déterminé. Ils se réuniront dans un endroit du paradis, puis Allah subhanahu wa ta'ala se manifestera devant eux. Ils le verront, Allah Azza wa Jal leur parlera et ils lui parleront, et Allah Azza wa Jal leur donnera, car Allah Azza wa Jal leur donnera le jour du jugement une force qui leur permettra de voir Allah subhanahu wa ta'ala et d'entendre sa parole. Quant à cette vie d'ici-bas, personne n'est en capacité de voir Allah subhanahu wa ta'ala. قال تعالى وكلم الله موسى تكليما. Et Allah Azza wa Jalla dit وكلم الله موسى تكليما. Allah a parlé à Moïse ou à Moussa de vive voix. وكلم الله موسى تكليما كلمه يعني مباشرة من غير واسطة ثم أكد ذلك فقال تكليما. فالمصدر مؤكد ينفي أن يكون هناك معنى للتكلم غير ما يظهر منه بأن يقال كلمه بواسطة، بل رفع هذا بقوله تكليما. الله سبحانه وتعالى a parlé à Moussa, c'est-à-dire qu'il lui a parlé directement sans intermédiaire. Et Allah subhanahu wa ta'ala a appuyé cela, c'est-à-dire le fait qu'il lui a parlé en disant taklim, c'est-à-dire de vive voix. Et ceci nie toute interprétation qui pourrait être faite, à savoir de dire que Allah subhanahu wa ta'ala s'est effectivement adressé à Moussa, mais avec un intermédiaire. Le fait qu'Allah azza wa jalla a dit de vive voix, cela expulse et nie cette ambiguïté qui est le fait de dire qu'Allah Azza wa Jal aurait ou se serait exprimé à Moussa à travers un intermédiaire. Non, Allah Azza wa Jal s'est exprimé directement à Moussa alayhi salam. Wa qala subhanahu ya Moussa inni istafaytuka 'ala an-nas bi risalati wa bi kalami. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ô Moussa, je t'ai choisi parmi les gens pour mon message et ma parole, par mon message et ma parole. Je t'ai choisi parmi les gens par mon message et ma parole. Ceci est un appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il appelle Moussa et s'exprime à lui en lui disant inni istafaytuk, je t'ai choisi parmi les gens par mon message et ma parole. الشاهد في قوله وبكلامي أي تكليمي لك من غير واسطة وندائي لك. Et ce que l'on retient de ce verset, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal par mon message et par ma parole, c'est-à-dire par la parole que je t'ai adressée directement sans intermédiaire. وقال سبحانه منهم من كلم الله وقال سبحانه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. قال الشيخ الفوزان تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله وهو موسى عليه السلام كلمه الله مباشرة من غير واسطة. يا الله سبحانه وتعالى زيد سورة البقرة ainsi sont les envoyés. Nous avons privilégié certains parmi d'autres et parmi eux, minhum man kallam Allah. Parmi eux, c'est-à-dire parmi ses envoyés, certains dont Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé directement. Et Cheikh Al-Fawzan dit wa huwa Moussa, et c'est Moussa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé directement à lui sans intermédiaire. Wa qala subhanahu wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahya. يعني ليس أحد بكلام يكلمه الله من غير حجاب بينه وبينه هذا في الدنيا، فإن أحدا لم ير الله جل وعلا في الدنيا أبدا. ولهذا لما سأل موسى ربه أن يراه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل
فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا انهار الجبل وصار ترابا من عظمة الله تعالى ولم يستطع الصمود والثبات فكيف البشر المكون من لحم ودم كيف يستطيع أن يرى الله جل وعلا عيانا في الدنيا وخر موسى صعقا أغشي عليه من شدة الهول فلما أفاق يعني ذهب عنه الغشي والروع قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين فهذا موسى سأل ربه أن يراه في الدنيا ولم يستطع في الله سبحانه وتعالى دي il n'appartient pas à un être humain où il n'a pas été donné à un mortel qu'Allah lui parle autre que par la révélation ou derrière un voile. C'est-à-dire que personne, Allah Azza wa Jalla ne s'est adressé à personne sans voile entre lui et la personne à qui il s'adresse. Ceci dans la vie d'ici-bas. Personne n'a vu Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie d'ici-bas. C'est pour cela que lorsque Moussa alayhi salam a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de se montrer à lui, il a dit, comme cela est rapporté dans Sourate Al-A'raf, قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ. Moussa alayhi salam a dit, « Oh Allah, montre-toi à moi pour que je te vois. » Et Allah azza wa jalla a dit, قال لن تراني, tu ne me verras pas, mais regarde plutôt cette montagne, si elle reste, alors tu me verras. فلما تجلى ربه للجبل, et lorsque Allah عز وجل s'est manifesté devant la montagne, جعله دكا, elle a été pulvérisée. La montagne a été pulvérisée et est devenue poussière par la puissance et l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la montagne n'a pas pu rester comme elle était. Que dire alors d'un homme qui est constitué de chair et de sang? Comment peut-il voir Allah subhanahu wa ta'ala de ses propres yeux dans cette vie d'ici-bas, alors qu'une montagne ne peut rester en place en voyant Allah subhanahu wa ta'ala? Wa kharra Musa sa'iqa. Et lorsque Musa alayhi salam a vu cette montagne se pulvériser, il est tombé évanoui. Falamma afaq. Et lorsqu'il s'est réveillé de son évanouissement et de sa terreur, قال سبحانك تبت إليك, il a dit, gloire à toi, je me repens à toi, وأنا أول المؤمنين, et je suis le premier des croyants. فهذا موسى, ceci est donc Moussa عليه السلام, qui a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de se montrer à lui dans cette vie d'ici-bas, et il n'a pas pu. ولذلك لا تجد أحد من البشر يكلم الله قبل الآخرة من غير حجاب من حيث يرى الله عيانا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. Pour cela que tu ne trouveras personne parmi les mortels à qui Allah subhanahu wa ta'ala s'adressera avant l'au-delà sans un voile, de telle sorte qu'il ne puisse voir Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا. Il n'appartient pas ou il n'a pas été donné à un mortel qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui parle, sauf à travers la révélation. وَحْيًا بِأَنْ يُلْهِمُهُ إِلْهَامًا. Par une révélation, c'est-à-dire, الْإِلْهَام, comment dire الْإِلْهَام? Al-Ilham, c'est un synonyme de révélation, mais la différence, c'est que cela provient directement d'Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'il y ait d'intermédiaire parmi les anges. Sans qu'il y ait d'intermédiaire parmi les anges. Un son. Non? Un son. Un son, c'est un rêve. Yani, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, لَوْكَانَ فِي أُمَّتِي مُلْهَمُوا لَكَانَ عُمَرْ. Si dans ma communauté il y aurait des, c'est-à-dire des personnes qui... Inspiration. Non, c'est une inspiration, on peut dire ça, une inspiration.
Et Omar al-Khattab avait beaucoup d'inspiration. Il voyait des choses de l'invisible ou avait connaissance de choses qui faisaient partie de l'invisible. Et ceci est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis des saints. Des saints et de ceux qui le craignent. Omar al-Khattab faisait une khutbah à Médine. Et pendant sa khutbah, il a dit Al-Jabal ul-Jabal, en s'adressant à l'un des compagnons qui était en bataille à des milliers de kilomètres de là, en lui disant attention la montagne, la montagne. Et les ennemis viennent de derrière la montagne, alors que lui était à Médine en train de faire sa khutbah. Et comme ceci également a eu lieu, comme l'a dit Cheikh Fawzan, بأن يلهمه إلهاما كما ألهم أم موسى أن تعمل مع ولدها ما عملت وكما يحصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحيانا من وحي الإلهام هذا بدون واسطة الملك إلهام يلهمه الله ما يشاء من يشاء من عباده أو من وراء حجاب. Comme ceci a eu lieu concernant la mère de Moussa عليه السلام. Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé directement de وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه أيوة ولقد أوحينا إلى أمك نعم سي دون نعم دون سورة القصص توسي دون سورة سورة طه إيش الآية إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم يلقيه الساحل منه فيأخذه عدو لي وعدو له. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à la mère de Moussa de le mettre dans le coffret puis de le jeter sur le Nil. Et le Nil, le fleuve sera emporté par les courants et il sera pris, c'est-à-dire Moussa alayhi salam, par Adoum li ou Adoum Allah, par mon ennemi, c'est-à-dire l'ennemi d'Allah et l'ennemi de Moussa alayhi salam, qui était Pharaon. Et c'est effectivement ce qui a eu lieu. Et c'est Allah Azza wa Jal qui a révélé directement à la mère de Moussa de le jeter dans le fleuve. Et quelle est cette mère qui mettrait un enfant dans un panier et le jetterait dans le fleuve. Également, ceci est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et la particularité de l'ilham, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire parmi les anges. Et ceci peut en bénéficier ceux parmi les serviteurs d'Allah azza wa jal, ceux qu'Allah désire. Aw min wara'i hijab. Comme حصل لموسى, ou bien derrière un voile. Donc il y a deux moyens pour qu'Allah Azza wa Jal s'adresse à un mortel, c'est soit par l'intermédiaire de l'ilham ou soit derrière un voile. Et derrière un voile, comme حصل لموسى عليه الصلاة والسلام, فإن الله كلمه بدون واسطة لكن من وراء حجاب لأن موسى لم ير الله جل وعلا في الدنيا. كما ذكر الله ذلك في سورة الأعراف قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني فهو كلمه من وراء حجاب أو يرسل رسولا من الملائكة إلى ذلك البشر فيوحي بإذنه ما يشاء وهذا بواسطة الملك. Donc, ou bien Allah Azza wa Jal parle à un mortel à travers ou derrière un voile, comme cela a eu lieu concernant Moussa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé à lui sans intermédiaire, mais derrière un voile. Sans intermédiaire, c'est-à-dire qu'Allah azza wa jalla s'est adressé directement à Moussa, c'est-à-dire que Moussa alayhi salam a entendu directement la parole provenant d'Allah, mais il y avait un voile entre les deux. Car Moussa alayhi salam n'a pas vu Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie d'ici-bas, comme ceci a été cité dans Sourate Al-A'raf, lorsque le verset qu'on a cité précédemment, lorsque Moussa alayhi salam a demandé à Allah de se montrer à lui, et Allah azza wa jalla lui a dit "Lan tarani, tu ne me verras pas", c'est-à-dire dans cette vie d'ici-bas. Il s'est adressé à Moussa alayhi salam, c'est-à-dire Allah, derrière, à travers un voile,
Ou bien il y a la troisième option ou la troisième possibilité, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à l'un des mortels à travers un ange. C'est-à-dire lorsqu'un ange, qui est Jibril alayhi salam, transmet la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala à un envoyé, un prophète. Donc il y a trois possibilités qu'Allah azza wa jalla s'exprime et parle à un mortel. C'est soit à travers l'ilham, soit derrière un voile, ou soit par l'intermédiaire d'un ange. فَإِذَنْ تَكْلِيمُ اللَّهِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ إِلْهَامًا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ تَكْلِيمًا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بِوَاسِطَةِ الْمَلَكِ وأما أن يكلم الله جل وعلا أحدا من خلقه في الدنيا من غير حجاب ويرى ربه رؤية عيان فهذا لم يحصل لأحد وإنما هذا في الآخرة للمؤمنين خاصة. Quant au fait qu'Allah عز وجل parle à quelqu'un parmi ses créatures dans cette vie d'ici-bas sans voile et qu'il voit son Seigneur de ses propres yeux, ceci ne s'est présenté à personne et ceci ne peut avoir lieu que dans l'au-delà et est réservé exclusivement aux croyants. الشاهد من الآية أن الله أثبت لنفسه الكلام وأنه يكلم من يشاء من وراء حجاب أو بالوحي أو بواسطة الملك. Ce que l'on retient du verset, c'est qu'Allah عز وجل s'est attribué à lui-même la parole et qu'Allah عز وجل parle à qui il veut derrière un voile ou bien à travers la révélation ou bien par l'intermédiaire d'un ange. ثم قال المؤلف, c'est-à-dire l'imam ابن قدام المقدسي, كلام الله بحرف وصوت مسموع, وقال تعالى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. La parole d'Allah est constituée de lettres et de sons qui sont entendus et perçus. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى. Et lorsqu'il y arriva, c'est-à-dire Moussa, il fut interpellé ô Moussa, je suis ton Seigneur. ذَكَرَ اللَّهُ قِصَّةَ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمَّا خَرَجَ هَارِبًا مِنْ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ لَمَّا قَتَلَ الرَّجُلُ الْقُبْطِي تأمروا على قتله وجاءه النذير فخرج عليه الصلاة والسلام وتوجه تلقاء مدين وبقي في مدين 10 سنين يرعى الغنم على أن يتزوج بنات الشيخ الكبير تزوجها برعي الغنم 8 سنين أو 10 سنين وكان هذا هو المهر فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لما أنهى المدة رجع بزوجته إلى مصر حيث أهله وظل الطريق وكانت ليلة باردة شديدة البرودة وظل الطريق فأبصر نارا ففرح بها لأنه كما يكون حال المسافر التائه إذا رأى نارا يفرح بها خصوصا إذا كان جائعا ومحتاجا فأجلس أهله ينتظرون وأتى إلى النار فلما أتاها على أنها نار عادية يريد أن يطلب منهم خبرا عن الطريق أو يأتي منهم بشهاب قبس يصطلي هو وزوجته من البرد هذا غرضه عليه الصلاة والسلام لكن الله أراد غير ذلك. Donc Cheikh Fawzan dit, l'Allah subhanahu wa ta'ala a cité l'histoire de Moussa alayhi salam. Lorsqu'il est sorti s'enfuyant de Fir'aoun, de Pharaon et de son peuple, après avoir tué le copte, ils ont décidé de le tuer, c'est-à-dire de tuer Moussa alayhi salam. وَجَاهُ النَّذِيرُ. Et un avertisseur est venu vers Moussa alayhi salam pour lui informer qu'ils avaient pris la décision de le tuer. Moussa alayhi salam est alors parti en direction de Madian. Il est resté à Madian 10 années dans lesquelles il s'occupait de... Il était berger. Il devait s'occuper de troupeaux. Et ceci était sa dot.
et en échange, il s'est marié avec la fille d'un vieil homme. Il s'est marié avec elle en prenant l'engagement d'être berger et de s'occuper du troupeau pendant 8 ou 10 années. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, puis lorsque Moussa a accompli la période convenue, c'est-à-dire 8 ou 10 années, et qu'il se mit en route avec sa famille, il vit un feu du côté de la montagne. Et il dit à sa famille, demeurez ici, j'ai vu du feu. Lorsque Moussa alayhi salam a terminé l'année ou le nombre d'années dans lesquelles il s'était engagé, il est retourné, lui et sa femme, en Égypte, car Moussa alayhi salam était originaire d'Égypte. Mais il s'est perdu dans la route. Il s'est perdu en chemin et s'est retrouvé dans une nuit extrêmement froide. Il était perdu et de loin, il a vu un feu. Il était réjoui d'avoir vu ce feu, car ceux qui sont en voyage et qui sont perdus, lorsqu'ils voient un feu au loin, ils sont contents et joyeux, surtout lorsqu'ils ont faim et qu'ils sont dans le besoin. Il a donc fait asseoir sa famille en leur disant de l'attendre et s'est dirigé en direction de ce feu. فَلَمَّا أَتَاهَا, et lorsqu'il est arrivé à ce feu, et c'est le sens du verset, فَلَمَّا أَتَاهَا, lorsqu'il arriva, c'est-à-dire au feu, il s'attendait à avoir un feu ordinaire dans lequel il aurait pu demander des informations sur la route ou bien, au pire, revenir avec du feu pour se réchauffer lui et sa femme. Mais Allah Azza wa Jal en a décidé autrement. فَلَمَّا أَتَاهَا أَيْ وَصَلَ إِلَى النَّارِ وَنُودِيَ يَا مُوسَى مَنِ الَّذِي نَادَى هُوَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى قَالَ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ هَذَا نِدَاءُ مُخَاطَبَةٌ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إنك بالوادي المقدس طوى إلى آخر الآيات التي جاءت في هذا السياق. وفي الآية الأخرى فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك. فهذه الآيات صريحة أن الله كلم موسى من غير واسطة وسمع موسى كلامه حقيقة من غير مجاز ومن غير ما يشكل على أن هذا الكلام كلام الله أو أن هذا الكلام كلام من الله حقيقي بحرف وصوت وسمعه موسى وأنه نداء وكلام سمعه موسى عليه السلام. Et lorsqu'il arriva, c'est-à-dire lorsqu'il est arrivé à ce feu, nous dit ya Moussa, on l'appela ô Moïse. Qui est celui qui est appelé? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit, Inni ana rabbuk, c'est moi ton Seigneur. Et ceci est un appel sans intermédiaire. Puis Allah Azza wa Jalla lui a dit, Fakhla'na alayk, innaka bilwadi al-muqaddasi tuwa, enlève tes sandales, car tu es dans la vallée sacrée appelée Tuwa. Jusqu'à la fin des versets qui ont été rapportés dans cette histoire. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, puis quand il arriva, c'est-à-dire Moussa alayhi salam, lorsqu'il arriva au feu, on l'appela du flanc droit de la vallée. C'est-à-dire que la voix provenait du côté droit de la vallée, dans la place bénie. Fil buq'atil mubaraka min ash-shajara, à partir de l'arbre. Ô Moïse, ya Moussa, inni ana Allahu rabbul alamin. C'est moi Allah, le Seigneur de l'univers. Wa an alqi asak, jette ton bâton. Donc tous ces versets sont clairs et montrent de façon évidente qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé à Moussa alayhi salam sans intermédiaire et que Moussa alayhi salam a effectivement entendu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci n'est pas une métaphore, c'est une parole véridique et vraie que Moussa alayhi salam a entendu, qui est composé de lettres, de sons qu'a entendu Moussa alayhi salam
Et c'est un appel et des paroles que Moussa alayhi salam a entendu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَهْلُ الضَّلَالِ يَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْكَلَامَ فِي الشَّجَرَةِ فَتَكَلَّمَتْ هَلِ الشَّجَرَةُ تَقُولُ يَا مُوسَى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك هل الشجرة تقول أنا اخترتك فاستمع لما يوحى أن اخترتك فاستمع لما يوحى إني أنا الله وهل الشجرة تقول إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري هذا كلام رب العالمين هذا كلام رب العالمين تعالى الله عما يقولون فالآيات واضحة وضوحا لا شك فيه أن الله في أن الله هو الذي تكلم سبحانه وأن موسى سمع كلام الله ففيها إثبات الكلام لله وأنه كلام يسمع. Et les égarés parmi les sectes disent que Allah subhanahu wa ta'ala a créé la parole dans l'arbre qui s'est exprimé. Ils ont dit que ce n'est pas Allah qui a parlé, mais que c'est l'arbre qui s'est exprimé. Et Cheikh Al-Fawzan le répond en leur disant, Hal ash-shajaratu taqul, est-ce que l'arbre dit, ô Moussa, c'est moi, ton Seigneur, enlève tes sandales, car tu es dans un endroit béni, appelé Toua, et c'est moi qui t'ai choisi. Est-ce que l'arbre dit, anakhtartuk, fastami' lima yuha, c'est moi qui t'ai choisi. Écoute ce qui va être révélé. Innani anallah, c'est moi Allah. Est-ce que l'arbre dit Inni anallah la ilaha illa ana, c'est moi Allah, point de divinité autre que moi, adore-moi et accomplis la prière pour mon rappel. Hada kalamu rabbil alamin, ta'ala Allahu amma yaqulun. Ceci ne peut être que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et en aucun cas la parole d'un arbre. Et les versets sont clairs à ce sujet qui ne laissent aucun doute, à savoir que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'est exprimé et qui a parlé directement à Moussa alayhi salam. Il y a dans cela l'attribut que de la parole à Allah subhanahu wa ta'ala et que ce sont des paroles qui sont entendues. Wa qala subhanahu wa ta'ala innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni. وغير جائز يعني قال الإمام ابن قدامة وقال تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit et c'est moi Allah point de divinité autre que moi adore moi. Et l'Imam ibn Qudam al-Muqdisi a dit et il est interdit ou ces paroles ne peuvent être dites que par Allah subhanahu wa ta'ala et il est interdit qu'elle soit dite par autre que lui subhanahu wa ta'ala. Comme a dit le Cheikh Al-Fawzan, هل الشجرة تقول إنني أن الله لا إله إلا أنا فاعبدني تعالى الله عما يقولون. Est-ce que l'arbre dit c'est moi Allah point de divinité autre que moi adore-moi qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit exempté de ce que disent sur lui les personnes égarées. غير جائز أن يقول هذا أحد غير الله هذا رد على الجهمية بأنها لا تقول الشجرة أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما كسبت فهذا فلا يليق أن يكون هذا الكلام للمخلوق وإنما هو كلام الخالق جل وعلا. Donc il n'appartient pas que ces paroles peuvent être dites par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a dans cela une réponse à Al-Jahmiyya, qui sont cette secte qui n'atteste pas ou qui n'attribue pas à Allah subhanahu wa ta'ala l'attribut de la parole. Et c'est eux, entre autres, qui ont dit qu'Allah azza wa jalla a créé la parole dans cet arbre. Et c'est en réalité cet arbre qui s'est exprimé. On a ktafi bi hadha al-qadr wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك